Bref. Bonjour à tous, bienvenue sur ce challenge qui... C'est pas du tout un challenge. Comme la vidéo Mon enfance au Japon vous a plu, voilà, je me suis dit, mon enfance avec Charles, ça pourrait être stylé. J'en ai vu une, et putain, on a changé. Du coup, vous êtes prêts à voir Charles quand il était tout petit? Ça va le coup. Ah, tu faisais en mode diaporama et tout, genre... What? Ah, je te dis, on va voyager dans le temps là. Mais je pense que c'est après le bain. Parce qu'on prenait un bain à 4. Ah bah oui, mais... Et ça, c'est ton jardin avant, du coup? Et ouais, ça, c'est mon jardin. Ah, ça a changé. Ça a changé, oui. Nous abordons déjà des positions super. Ça, tu sens la France des années 2000, tu sais, vraiment du champomy sur la table, une baguette de pain, un cœur de lion, et chacun un verre à la main. Nous sommes les futurs bronzes de France. À quoi pensais-tu, Charles? À quoi pensais-tu? Foiré qui est devant moi, il va prendre cher. Les bonnes joues, quoi. Ah oui, j'ai toujours le coup de tordu. Ah oui, c'est un truc, j'ai le coup de tordu. Oh là là, mon dieu. T'aimais bien les carabines à l'époque? Ah, bah, j'étais pas le seul apparemment. T'es pas le seul apparemment à aimer les carabines. Je crois que c'est une bonne position pour tenir ce point de charge. T'as toutes les chances de te péter les deux bras. Oh, Cyril. Cyril, ce grand démon de Cyril. Oh là là. Charles, très content. Aujourd'hui, tu l'as fait en comique. Là, on sent c'est vrai, tu vois. Oui, on a que flash. Alors que j'étais le plus lent du monde. Tu courais plus vite à reculant plus vite. N'est-il pas charmant? Brosse à dents électrique, toujours même. C'est toujours la même. Non, je suis toujours. Le gros crado, un seul bout de plastique, c'est qu'il tourne tout seul. Voilà. Mais tu sais, ça me paraît bizarre parce qu'à l'époque ça ne me choquait pas. T'as 5 ans sur cette photo. Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui je pense pas que les enfants fassent ça, tu vois. Là, le moment cute. Oh. C'est mignon. Ah bah voilà, c'était moi qui étais mort. C'était toi. Et moi, je suis passé en mode. On a des t-shirts à faire sortir, il y a nos cartes aussi. Ah oh là là, y'en a un qui va me tuer. J'étais là. Je vais le dépasser dans le prochain virage. Tada. Tu m'es trop vénère. Mais pourquoi j'ai cette tête là? Tu m'avais volé un bonbon quoi à l'époque. Ouais, on dirait que j'ai tout bouffé moi. Je joue pleine. Il m'en a pas laissé. T'as l'air tellement vénère sur toutes les photos de karting. Moi j'ai un oui, je m'amuse. Je veux gagner. Je te colle de près, Louis. Je t'ai à l'œil. Tu ne m'échapperas pas. Ah. Wouah, mon daron, gros. Nous noterons encore la tête de chat. Je suis quelqu'un d'expressif, qu'est-ce que je peux te dire? T'étais super expressif en fait quand t'étais petit. Oh. Mais. Ça, j'avais déjà vu ça d'abord. Oh, c'est mignon. Même quand j'allais dormir, on me faisait apprendre. Un immigré. C'est quoi? Je comprends les tendances politiques maintenant. C'est non. Trébucher un excès. C'est quoi cette jeunesse extrême droite que j'ai eu là? Tu vas apprendre ce que c'est qu'un immigré, mon fils. Il ne faut jamais trébucher dans la vie, c'est que les losers qui trébuchent. Ah, c'est fini, du coup, c'est fini, c'est la dernière. C'est l'arc 1. L'arc 1. What the fuck, bro? C'est notre classe. Holy tu shit. Reconnais les têtes, gros? C'est François, ça? Ouais, c'est Adrien. Moi. Ça, c'est Adrien. C'est Cyril au fond. Hein. C'est Julien, mec, tu te souviens? Bizarrement, on se souvient d'aucune fille. Est-ce qu'on peut parler de mon look? Quand même, mine de rien, on se souvient des noms. Ouais. Oh. Oh. Dis donc, la chemise. Oula. Direct. On faisait déjà la fusion. On commence sur une fusion, mesdames et messieurs. Je crois qu'on coordonnait pas très bien nos le corps. On n'avait pas compris que l'un devait aller vers la gauche et l'un vers la droite. Ah, c'était le, ah, le 007. Jeu, le 007. Tu as une technique? Oui, bien sûr. Chargement, chargement, bloqué. Et au bout de 3, ça pète un bouclier. 007. 007. B 007. 007 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
Voilà une belle partie. Photo suivante. Hey, on est toujours en bas. C'est le rendez-vous hebdomadaire, tu sais, entre potes. Ça va bien. Ça va bien, on a fait quoi cette semaine? Ça me termine à quel point c'est convivial. Ah, je suis sûr, là, on était en panique pour sauter, tu vois. On était là, on est trop les ouf! Oh putain, il y a au moins 70 cm de muraille! Wouah! C'était pas mal! Et là, Louis dit, oh dieu, mais il est trop cool! Incroyable! Oh, je suis en fait sur muraille! Reconnais-tu ça, Charles? Des toffies? Il doit de la merde! Ça a failli te rendre diabétique, mais. C'est quand même fondant, donc du coup, c'est pas dur du tout, c'est quand tu crois que c'est un peu mou, c'est. Magnifique. On passe du coup à 2005. Je crois, je sais plus où on va partir là. On va partir au ski là. Au ski? Ouais. T'es parti au ski en ça? J'ai que ça, j'ai que ça! Voyage scolaire CM2. Ah! Le fameux voyage! C'est le truc du Vercors. Le Vercors! Wow, oh là 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 là. J'ai complètement oublié ça. Ouais, je me disais putain, mais on est jamais parti au ski, tu vois. Ouais, c'est ça. Le Vercors. C'est le Vercors, ouais. On avait fait une bataille, on avait fait une bataille. Moi j'ai eu la peur de ma vie là-bas. La peur de ta vie avec des dés. Je suis allé chercher des dés en haut dans une chambre. Mais c'était le gros manoir, genre on jouait tous en bas. Voilà. Il fallait monter les escaliers en cotonimaçon en bois qui faisait des bruits qui craquaient. Il n'y avait pas de lumière, je pouvais pas allumer la lumière. Vraiment, faut imaginer vraiment dans la pampa. Voilà, déjà, on est dans la pampa. Tout le monde est en bas, tous les enfants sont en bas pour les jouer. Les adultes aussi. Les adultes aussi. Et ils me demandent d'aller chercher des dés. Il va chercher le dé qui est au sixième étage. Et du coup, je monte comme ça et je peux pas allumer la lumière. Déjà, moi je flippe. J'ai 10 ans. Je fais ma race. Et après, j'entends des bruits. Tu sais, parce que c'était du parquet. Du coup, j'entends des craquements de pas comme. PLS de ouf, je sais même pas ce que c'était la PLS, mais j'étais déjà dans cette position à l'époque, tu vois. Du coup, je prends mes dés et j'ai couru pour descendre les escaliers. 4 par 4. Ah, j'en pouvais tellement peur, putain. L'apparition de David. Oh, il fait mal cette photo. L'Asiate et l'Afrique. Ah, j'étais pas mince. Hein. Bah, sur cette photo encore, ça se voit pas trop. Ah, j'étais fat. Ouais, t'avais le double menton, quoi. Ouais. Faut dire, en fait, j'ai pas changé de poids, c'est juste que bah, la puberté a fait comme ça, du coup, bah, c'était quoi. Ça a étiré le tout. Lolololol. Le dossier. Moi, quand vous serez président, j'aurai des trucs dont vous faisiez des conneries. Il avait pas tort, putain, mon père. Mais pourquoi vous parlez comme ça, putain? Top. Ça, c'est vrai, quand t'es petit, tu joues aussi la bouche ouverte, ça, c'est vrai. Tu peux pas tout régérer, tu vois, en même temps. T'as des fonctions qui se laissent. Qui se laissent aller, tu vois. Genre, toutes mes fonctions neuronales sont dans mes mains. Et ma tête. Genre. C'est long, hein. Ouais. Oh, 14 minutes. Oh. C'est tout simple, pour l'instant c'est tout simple, mais ça passe, tiens. Si ça c'est pas une aussi gros. Bah je sais pas. Je joue au piano. Et je danse. Et Charles danse à côté. J'avais des moves assez. Regarde. Oh là là. Oh oh oh. Ça fait de la disco, hein. Mais c'est vraiment, c'est pris dans notre intimité de. Oh oh oh, 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 oh. Monsieur veut ouvrir. Monsieur veut faire le malin. Monsieur veut faire le malin. Ah, là, ton père il s'est dit stop. Putain, ça. Oula. Prends une pause, on fait une petite pause. Petite pause, on revient. Pause, on revient. Après la pub. En 2009. Oui. Mais en fait, je crois que c'est la période où j'avais le cheveu les plus longs et que toi, t'étais pas bien. On dirait Gilbert Montagnier là sur cette photo. Ah. T'avais des bagues, j'ai oublié. Et moi j'étais encore et gros. Et toi t'étais encore Gilbert Montagné. En fait, c'était plus ton visage qui était juste un peu gonflé, tu vois. Ouais. Je t'ai dit, c'est juste les joues. Tellement j'ai la tête plate au moment où j'ai cru que c'était coupé. Je me souviens, j'étais venu te voir jouer au tennis et je me souviens, je t'ai jamais dit, je croyais que j'allais jouer avec toi. Ouais. Et du coup, t'as fait ton cours tout seul, j'ai failli pleurer parce que j'avais. Sérieux? C'est pour ça que maintenant je me venge en faisant du tennis sur ta chambre. Dans ta chambre. Ah oui, la seconde évolution, c'est vrai, ça commençait mal. Là, l'évolution commence à péter un câble. Oh là 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 là. Putain, j'étais grave asiatique quand même là. Quand même, tu sens qu'il y a eu un truc qui s'est passé bizarre. Ouais. Tu dis quoi? Passons à une autre salle, cher confrère. T'as du flow. Cher confrère. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait très plaisir. Comme tu l'as vu, on a passé beaucoup de temps avec Charles, beaucoup d'expériences, nous avons partagé beaucoup de choses. Mais ça fait des beaux souvenirs. Ça fait des beaux souvenirs. Tu peux penser à me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux penser à mettre un like pour faire plaisir à Charles, parce que ça fait très plaisir à Charles les likes. A plus dans une prochaine vidéo. Tchuss.